Gaspillage de sang. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous, je suis Jésus le Maître. Je désire vous faire connaître quelques vérités, afin que vous puissiez les savourer et les assimiler, et afin qu'elles soient objet de réflexion pour vous et pour d'autres. Ce mois-ci, l'Église célèbre la fête de mon sang précieux. Les âmes bonnes énumèrent les moments où j'ai fait don à l'humanité de ce sang qui avait et a encore le pouvoir d'effacer les péchés et de rétablir les liens d'affection et de parenté avec Dieu. J'ai versé mon sang jusqu'à la dernière goutte sur la croix, et je continue à le faire à chaque messe, en tout sacrement qui est administré, et en particulier par celui de la confession. Mais combien on en gaspille et quel abus on en fait. Les soldats qui me frappèrent, les bourreaux qui me crucifièrent, Longinus qui transperça mon cœur, ne me causèrent pas une aussi grande douleur que les chrétiens qui s'approchent sans foi ni amour de mon autel, et en recevant indignement les sacrements, réitèrent ces outrages de manière beaucoup plus douloureuse et indigne. Mais je veux vous rappeler un autre gaspillage de sang qui doit également vous faire réfléchir. Vous savez que je vis encore dans le monde et que mon corps mystique est cette belle unité qui fait de l'Église une merveilleuse œuvre divine et humaine en même temps. Les souffrances de l'humanité ne me sont pas inconnues. Au contraire, elles s'insèrent dans le mystère d'amour de la rédemption. Elles deviennent un instrument divin qui complète en chacun et en tous la passion. Il y a une seule condition, vivre par la grâce de Dieu, unie à moi comme les branches d'un même arbre, comme les membres d'un unique corps. Malheureusement, la grande majorité des hommes récusent cette façon de vivre. Ils refusent la foi et la morale, vivent dans le péché et rendent inutile sa souffrance. Quelle utilité y a-t-il à répandre ce sang qui devrait faire partie de ma vie et de ma rédemption? Mes enfants, la souffrance est immense dans le monde, et comme souvent elle n'est pas mise en valeur, elle devient inutile. C'est comme ne pas donner d'âme à un corps inerte, ne pas fournir un idéal à une intelligence qui reste fermée, ou ne pas revigorer un corps vidé de son sang. L'humanité se débat au milieu de ses malheurs, et elle ne veut pas s'élever, elle ne veut pas guérir ses plaies, ni faire les transfusions qui lui rendraient sa vitalité et lui permettrait de retrouver une vie sereine. Mais il y a un autre gaspillage de sang qui non seulement ne tire pas davantage, mais qui crie vengeance au ciel. C'est le sang des enfants innocents que des mères inhumaines refusent dans leur propre sein. Tout ce sang innocent rougit les villes et les nations. Quelle utilité y a-t-il à verser ce sang? Aucune. Cela suscite seulement un cri de pitié de la terre, auquel le ciel répond en demandant « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» À ses mamans, aux assassins de tout genre, à ceux qui gâchent leur vie par la drogue, l'abus des plaisirs et du vice, qui défigurent l'âme et le corps, cette question est adressée. Que fais-tu des dons du Seigneur? Quel droit as-tu de détruire ce qui ne t'appartient pas? Mes enfants, sachez que certains péchés laissent dans les individus, dans les familles et dans la société, une empreinte indélébile que seul le sang de l'homme-Dieu pourra effacer. Demandez pardon sans vous lasser. Offrez au Père ce sang que ma très pure mère m'a donné en m'engendrant, afin que là où abonde l'iniquité, la grâce surabonde. Vous aussi, offrez au Père l'hécatombe des âmes innocentes, que la méchanceté humaine supprime, et unissez-y vos souffrances, car si elles sont acceptées avec amour, elles acquièrent une valeur exceptionnelle. Sachez être des intermédiaires, des intercesseurs, des âmes généreuses qui donnent de la valeur à la vie, avec cette marque sans laquelle elle resterait insipide et incolore, la foi, l'amour. C'est cette marque que beaucoup voudraient avoir, mais que bien d'autres refusent, sans se rendre compte de la gravité de la perte qu'ils subissent. Mes enfants, je vous bénis, que mon sang vous couvre, vous purifie, vous fortifie et vous sauve. Je bénis vos groupes, ainsi que les prêtres qui les dirigent avec tant d'amour. Ce sera une floraison de grâce pour tous. Vous aurez parfois l'impression de ne pas être exaucé rapidement, mais ce n'est que pour donner plus d'éclat,
à ce que vous demandez par la prière. J'œuvre avec vous et j'offre vos sacrifices avec le mien, afin que chaque jour ma messe soit votre messe. Je pense moi-même à ceux qui vous sont chers. Quant à vos initiatives, je les soutiens et je les porte à leur terme.